Tout d'abord, je voudrais commencer par vous remercier tous et toutes, camarades chinois réfugiés en France, car il faut du courage pour venir comme ça publiquement se montrer. Partout, enfin dans de nombreux endroits au monde, le massacre de Tiananmen, la commémoration a lieu dans de nombreux endroits dans le monde, mais pas en Chine. Pendant de très nombreuses années, il y avait chaque année à Hong Kong une très grande commémoration du massacre de Tiananmen. Depuis 2000 et l'application de la loi sur la sécurité nationale, la Chine cherche à faire oublier Tiananmen, y compris à Hong Kong. Malgré cela, encore cette année, les Hongkongais courageux ont osé descendre dans la rue pour commémorer le massacre de Tiananmen. Et je vais finir par vous raconter une petite anecdote. L'année dernière, lors de cette même commémoration, j'ai pris la parole devant vous, devant ceux qui étaient présents, et quelques jours après, j'avais rendez-vous avec la vice-présidente des syndicats chinois, j'avais rendez-vous avec elle à Genève. 4 jours après, donc, je la rencontre à Genève, et elle avait le texte exact de ce que j'avais déclaré devant vous, alors que moi-même, comme ce soir, je l'ai improvisé et je ne savais pas ce que j'avais dit. Je vais la rencontrer à nouveau le 12 à Genève, toujours. Elle a demandé à me rencontrer. Je suis à peu près sûr qu'elle saura exactement ce que j'ai dit ce soir. Mais il n'y a pas de problème, je lui répéterai qu'il faut plus de liberté en Chine, qu'il faut libérer, entre autres, parce que je suis syndicaliste, qu'il faut libérer les syndicalistes chinois qui sont enfermés et libérer aussi les travailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de se syndiquer dans un syndicat libre en Chine. Il faudrait libérer les travailleurs qui sont incarcérés, souvent sans procès, parce qu'ils ont simplement osé réclamer leur salaire ou des meilleures conditions de travail. C'est difficile à imaginer, mais avec Xi Jinping au pouvoir, la dictature est devenue encore plus forte et la répression des citoyens, des travailleurs chinois, en Chine et hors de Chine, est de plus en plus dure. Et au nom de la CGT, je m'incline devant tous les morts de Tiananmen, les morts qu'il y a eu dans plein d'endroits en Chine, et je vous remercie d'être présent pour commémorer cette mémoire qui ne doit pas disparaître. Je veux vous dire merci parce que la lutte des travailleurs quelque part dans le monde sert à tous les travailleurs autre part dans le monde. Et lutter contre la dictature en Chine sert aussi à lutter pour les droits en France. Nous, 我会加一句，我30年前对那些工会说过一句话，我说你们在这儿保护法国人的工人的权利，很快就没有用，因为那些工厂都跑到中国去，还是先保护中国工人的权利才有用。 J'ajoute une phrase, j'ai dit qu'il y a 30 ans, j'avais dit devant les syndicats français que défendre les droits des ouvriers français, c'était tout à fait honorable, mais que si vous continuiez sans défendre les droits des ouvriers chinois, il n'y aurait plus de travail en France et vous auriez plus d'ouvriers à défendre. Donc vous auriez pu vous y mettre plus tôt.